Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous avons le grand plaisir de nous retrouver ce soir autour de Alain Schnapp, accueilli comme à l'accoutumée désormais par le Théâtre Garonne à Toulouse, avec toute l'équipe autour de nous qui organise cette retranscription en direct, qu'on vous remercie beaucoup de suivre. On est très heureux on vous espère nombreux réunis ce soir pour écouter la discussion que nous allons avoir avec Alain Schnapp autour de son ouvrage qui, je pense, doit apparaître à l'écran. Mais en tout cas, moi, je le garde bien contre moi. L'ouvrage, donc, Une histoire universelle des ruines, des origines aux lumières. Donc, on va lancer l'entretien dans quelques instants, sitôt que j'aurai présenté en quelques mots Alain. Nous aurons le plaisir également, à un moment donné, qu'intervienne un peu plus tard dans l'entretien Caroline Marchand, qui est étudiante en master 1, en l'occurrence en histoire, à Toulouse, et qui nous présentera une étude de cas qui donnera l'occasion d'un dialogue avec Alain. Et puis, comme vous le savez, vous pouvez poser des questions sur le site. Je crois qu'il doit être indiqué sur la page la façon de procéder pour poser des questions. Questions qui sont en ce moment même réceptionnées par Adeline Grand-Clément, qui est là aussi dans la salle et qui viendra ensuite les transmettre à Alain dans une dernière partie. Donc voilà un peu en gros trois temps. Premier temps, une fois que j'aurai présenté, j'aurai le plaisir, l'honneur, l'avantage de présenter Alain en quelques mots, quelques échanges entre Alain et moi pour essayer de circonscrire, si tant est que ce soit possible, l'ouvrage qui nous réunit ce soir. Ensuite, Alain, pendant à peu près, nous en présentera quelques éléments parmi les plus saillants. Et puis, vous, pendant tout ce temps-là, vous réfléchissez, posez les questions que vous voulez poser. Et ce sera après, pendant que Caroline interviendra, les questions seront transmises et Alain pourra tâcher d'y répondre à la fin de la séance. Voilà comment va s'organiser l'heure et demie avec laquelle nous allons passer ensemble. Alors, en quelques mots, Alain, avant qu'on lance notre discussion ensemble, Alain Schnapp est professeur émérite d'archéologie à l'Université de Paris 1, attaché aussi à la Maison de l'archéologie et d'ethnologie de Nanterre. Historien, archéologue bien sûr, historien aussi, spécialiste de la Grèce antique, spécialiste notamment des cités grecques, mais également historien des sciences, historien de l'archéologie, mais également anthropologue de l'image, ce qui l'a d'ailleurs amené à s'intéresser de très près à ce domaine au sein de l'INHA, dont il a été l'Institut national d'histoire de l'art, dont il a été le premier directeur. Alain a également été quelqu'un qui a été un artisan très important de la structuration du champ de l'archéologie du point de vue des institutions et des revues depuis quelques années, disons peut-être trois décennies, quatre décennies. Avec notamment, pensons à des revues aussi importantes que Le Genre Humain, pensons à des revues comme Les Nouvelles de l'archéologie, auxquelles il a été étroitement associé. Au moment même où il prenait la direction de l'INHA, il était également associé à la fondation de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Il a assuré énormément de responsabilités dans le champ de l'archéologie. Il a participé à des... c'est lui qui a monté et dirigé le grand programme programme européen des archives de l'archéologie. Bref, une activité scientifique extrêmement profonde qui se lie également à travers des ouvrages qui ont beaucoup marqué notre discipline. J'en ai retenu quelques-uns. Moi, celui par lequel j'ai eu le plaisir de vous rencontrer livresquement, Alain, qui était La conquête du passé aux origines de l'archéologie en 1993, qui a été un livre très important, qui a beaucoup marqué la génération des archéologues que je suis. Citons également un peu plus ancien, mais qui est couramment réédité, qui reste un manuel important, l'archéologie aujourd'hui. Plus récemment, par exemple, là je fais un saut dans le temps, en 2018, en compagnie de Jean-Paul Demoule et de Dominique Garcia, Une histoire des civilisations aux éditions La Découverte, qui a également été un ouvrage marquant en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, si on veut illustrer toutes les facettes de votre œuvre, Un historien dans la cité aux éditions La Découverte en 2007, en co-direction. Ou bien, là, plutôt vraiment dans le champ, cette fois-ci, de l'anthropologie de l'image, L'histoire ancienne à travers 100 chefs-d'œuvre de la peinture aux presses de la Renaissance en 2004. Je n'en ai cité que 4 ou 5 parmi une quinzaine d'ouvrages qui ont profondément marqué différents champs, articulés autour de votre pensée, autour de vous. Et aujourd'hui, cet ouvrage très impressionnant, une histoire universelle des ruines, dont on est vraiment très heureux, très fier de pouvoir assurer une discussion et une forme de promotion auprès d'un public, on espère, le plus large possible, au sein du festival L'Histoire à venir.
De cet ouvrage, très impressionnant, comme je le disais à l'instant, par le degré de réflexion et d'érudition mêlée dans l'enquête que vous avez menée, Alain, une fois que j'ai eu terminé, non pas de le lire, parce que je l'ai lu en plein de fragments, mais une fois que j'ai eu terminé vraiment d'aller puiser une partie seulement de sa richesse, parce que je pense que je suis loin d'en avoir fait le tour, je me disais, je pense que maintenant, il va falloir que dans toutes les unités de formation d'archéologie en France, il faudra qu'on rajoute un nouveau cours qu'on n'a pas encore créé, qui est le rapport au passé des sociétés que nous dédions à étudier. Quels étaient elles-mêmes leurs propres rapports au passé ? Comment géraient-elles les traces du passé qui étaient le leur et comment, à travers cela, s'incarnaient-elles dans une trajectoire de l'humanité ? C'est ce que vous nous proposez à travers... C'est une des pistes de réflexion que moi qui m'est apparue à travers cette étude comparée qui nous amène à l'échelle de toute l'Eurasie et bien au-delà sur cette histoire universelle des ruines. Et c'est autour de cela donc, que nous allons dialoguer à présent. Et je comprends fort bien l'antiquisant que vous êtes, se soit penché, et l'historien des sciences que vous êtes, se soit arrivé à placer la ruine au centre de votre réflexion, mais c'est justement ça qu'on va essayer de mieux comprendre avec vous. Alors, on a quelques questions. Là, je vais commencer par une première question, et ensuite la parole sera naturellement à vous, Alain. Donc ce livre, effectivement, il est fascinant par sa dimension universelle. Mais si on essaye de ramener une question en coupant un petit peu à la fois le temps et l'espace, en regardant uniquement une partie du livre, qui est d'ailleurs la partie par laquelle vous terminez, qui est l'Occident, et uniquement le temps, le coupant sur les derniers siècles, il va de soi que notre rapport à la ruine n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, ou au 16e, 17e siècle. Donc commençons peut-être par là, par une question qui circonscrit et qui essaye de circonscrire un peu l'objet à l'intérieur de cette somme. Quelle est la trajectoire du rapport à la ruine de l'Occident depuis, on va dire, le 16e, 17e siècle? Quel est ce rapport singulier que l'Occident entretient avec la ruine et comment ce rapport a-t-il pu muter depuis l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui? Merci de tout ce que vous venez de dire et de cette invitation. Si on commence un peu par la fin... Puisque je m'étais arrêté aux Lumières, je me suis arrêté aux Lumières, j'essaierai d'expliquer pourquoi. Il y a une place de la ruine architecturale qui est fondamentale dans la construction du passé de l'Occident. Parce que l'héritage du Moyen-Âge, l'héritage du premier siècle moderne, a conduit ceux qu'on appelle les antiquaires, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à l'Antiquité, pas dans le sens du mot que le mot a aujourd'hui, à privilégier les monuments par rapport à toutes les autres traces qui étaient visibles à la surface du sol. Et donc, cette construction de l'objet ruine s'est investie dans l'idée que les ruines sont un supplément au trésor écrit de l'Antiquité. Quand les hommes de la Renaissance se penchent vers les ruines, ils le font dans un double objectif. Le premier, c'est de trouver des documents qui viennent compléter les sources littéraires. Et donc, c'est tout le travail qui va s'établir entre la collection de monnaie, la collection d'inscriptions, l'observation du sol. Et la deuxième dimension de cette curiosité de la Renaissance, c'est cette idée que les anciens construisaient mieux que nous. Cette idée que les techniques gréco-romaines de traitement du marbre, de traitement du calcaire, les techniques de construction sont un idéal que d'une certaine façon, les hommes de la Renaissance vont essayer de dépasser. Et donc, il y a une centralité qui est celui de l'héritage de la culture dominante, le monde gréco-romain, dans la curiosité des hommes du XVIe siècle. Et de cet héritage, nous sommes un peu prisonniers, parce que cela nous a empêchés pendant longtemps de regarder ou d'être attentifs à d'autres formes, par exemple celles issues de la préhistoire, une discipline, l'antiquarianisme,
se développe à la Renaissance, il est bien plus ancien, nous aurons l'occasion d'en parler, mais l'étude de la préhistoire, même le concept de la préhistoire, il n'apparaît guère avant le tournant, enfin le passage du 18e au 19e siècle, dans les toutes premières décennies du 19e siècle. Donc l'humanité a vécu pendant plusieurs siècles, l'humanité savante, sur un corpus restreint de données concernant l'Antiquité classique et elle seule. Une question à présent, pour essayer de commencer à circonscrire à la fois le livre et puis l'itinéraire qui a été le vôtre pour aboutir à cette réflexion. Alors, si on le tourne de manière un peu humoristique, mais est-ce que vous êtes venu à l'archéologie par la ruine ? Est-ce que c'est l'observation des ruines qui vous a amené à l'archéologie ? Ou l'inverse ? Est-ce que c'est la pratique archéologique qui a fini par réifier la ruine à vos yeux ? Effectivement, c'est la seconde hypothèse, c'est l'inverse. J'ai été fasciné dès très jeune, quand j'étais enfant ou lycéen, par le rapport entre les objets, les monuments et le sol. Et j'ai eu la chance, à l'époque, on est dans les années 60, il n'y a pas d'archéologie professionnelle vraiment en France. Donc on peut s'engager sur des chantiers. Et à l'époque, une série d'amateurs avait créé le cercle archéologique du Touring Club de France. Et c'est grâce à eux que j'ai découvert sur le chantier gallo-romain de Geninville, en région parisienne, pour la première fois une fouille en train de se faire. Et puis quand je suis entré à l'université, j'ai voulu apprendre à fouiller, d'ailleurs même avant, et je suis allé faire des stages. J'ai eu la chance de faire un tout premier stage sur la fouille dirigée par Leroy Gourhan sur le site de Pincevent. Ensuite, j'ai eu la chance de suivre les fouilles de Jean Combier à Orgnac-Lavenne, et puis de proche en proche, d'aller sur d'autres chantiers, de découvrir l'archéologie en Allemagne et les grands décapages. Donc, quand je m'inscris à la Sorbonne en histoire, quand je soutiens ma maîtrise avec Vidal Naquet sur le chasseur et l'anthropologie de la chasse dans le monde grec ancien, mon arrière-plan est celui de la fouille de l'archéologie militante, comme on disait au 19e et au début du 20e siècle. Mais de là, j'ai été chargé, quand j'ai eu la chance d'enseigner à l'Institut d'art et d'archéologie à Paris, après le grand chamboulement de 68, on a mis au programme des disciplines qui n'y étaient pas, en particulier la technique des fouilles et la méthode que l'on doit employer. Et donc là, j'ai eu la chance, outre l'enseignement de Laurent Gourand, de suivre les séminaires à l'École des hautes études de Paul Courbin, qui a été un professeur d'archéologie grecque qui a, en quelque sorte, développé en France le système de la fouille stratigraphique. Et j'ai essayé, dans le cours de méthode qui m'était donné, d'enseigner cela aux étudiants, avec l'aide de mes collègues, dont Jean-Paul Demoule, dont nous parlions tout à l'heure. Mais petit à petit, je me suis posé la question, mais ce que nous appelons archéologie aujourd'hui, comment cela le pratiquait-on il y a un siècle, deux siècles, une vingtaine de siècles? Et c'est comme ça qu'en faisant mes cours, face aux questions des étudiants, peut-être petit à petit, m'est venu ce questionnement sur les pratiques et les origines de l'archéologie et la différence entre l'antiquarianisme, l'ensemble des procédures qui consistent à collecter et étudier les objets antiques par rapport à l'archéologie moderne. Très bien, merci beaucoup de cette réponse qui en plus a offert à tout le monde de voir un peu l'itinéraire intellectuel qui avait été le vôtre pour mettre en scène justement à travers cet itinéraire comment vous en êtes arrivé à problématiser cette question. Alors si on essaie là aussi de circonscrire à la fois votre œuvre, cet ouvrage en particulier et la façon dont vous l'avez abordé, où commence et où finit la ruine ? Là, je sais que c'est un point sur lequel vous allez revenir tout à l'heure, mais si on essaie de prendre qu'est-ce qui n'est pas une ruine ? Par exemple, je me suis posé la question en vous lisant,
Est-ce que la grotte, la figure de la grotte, ne serait pas une anti-ruine, le contraire d'une ruine ? Alors, en l'occurrence, je ne sais pas du tout la grotte préhistorique qui ne m'intéresse pas du tout dans cette question. C'est ni Chauvet, ni Lascaux, etc. etc. Non, je pense aux grottes qui parsèment la mythologie antique ou qui parsèment les sites antiques. Je pense aux grottes, c'est vrai, qui parsèment le paysage autour de Jérusalem, que ce soit celle de la Nativité ou d'autres encore, etc. etc. Est-ce que ces lieux, ces grottes, qui sont censés être des lieux justement non fabriqués par l'homme, même si c'est oui. souvent pas le cas, est-ce qu'on peut les assimiler également à des ruines ou est-ce qu'elles sont une forme d'anti-ruines ? Non, elles ne viennent de ruines que si elles sont aménagées et qu'il y a des traces intentionnelles d'activité qui les identifient comme telles. Et les grottes dans lesquelles on a trouvé les vases qui contenaient les manuscrits de Qumran, par définition, elles ont quelque chose à voir avec la ruine. Mais la grotte elle-même, c'est une cavité qui en soi n'est pas différente de d'autres formes géologiques qu'on peut observer à la surface ou à l'intérieur du sol. Simplement, la grotte, par le fait qu'elle a ce côté en quelque sorte enfoui, dans lequel on peut entrer avec une certaine difficulté, elle peut être, et alors dans la mythologie grecque évidemment, dans les traditions même plus anciennes, peut être le lieu où quelque chose subsiste d'inconnu. Et c'est cet inconnu qui sera ou qui deviendra ruine. Je dirais que la ruine n'existe que quand il y a une formation physique pour l'incarner. Ça peut être pour moi le simple fragment dans un poème chinois ancien, une pointe de flèche. En soi, ce n'est pas une ruine, une pointe de flèche. Mais si la pointe de flèche est prélevée, interprétée, le poète vous dit, quand je vois cette pointe de flèche qui a traversé le corps d'un homme qui est mort dans cette bataille, je repense à la bataille, et il va vous décliner le nom des rois, le nom des généraux qui se sont affrontés. Donc la ruine, c'est une espèce de construction symbolique que le regard humain opère à partir de traces qu'il est capable de reconnaître ou qu'il a envie de reconnaître. Parce que parfois on appelle ruine des choses qui n'en sont pas, et inversement, parfois ce qu'on croit être des ruines n'est pas forcément accepté comme tel dans un champ culturel ou dans une période donnée. Quelle est d'ailleurs, là j'en ai aucune idée, quelle est l'étymologie du mot ruine ? Depuis quand le mot est-il employé ? Le mot est employé, il vient du latin, il vient de ruo, quelque chose. Le verbe roere, c'est se défaire, se décomposer. Donc ce qui marque ce qui s'est décomposé, c'est ruina, la ruine. Et ce mot, vous le trouvez en latin, mais vous le trouvez aussi en grec, sous la forme erepia. Et dans les deux cas, ces mots sont liés à la reconnaissance de l'action extérieure du climat et des événements tectoniques sur les choses. Donc la ruine est quelque chose qui a été extrait de son environnement à un certain moment, pour devenir un monument, pour devenir une flèche, pour devenir un outil. Et en même temps, c'est un quelque chose qui retourne à cette nature dont il a été extrait dans le processus de défaisance. Donc, quand nous fouillons une habitation paléolithique, comme à Pincevent, nous trouvons des alignements de foyers, des pierres, nous trouvons des silex taillés. En soi, chacun d'eux n'est pas une ruine, mais le gisement qui les constituait est la ruine d'un campement magdalénien. Et ensuite, un observateur attentif, comme le roi Gouran, va nous permettre de reconstituer les différentes étapes de cette histoire. Donc il est très difficile, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de donner une définition substantielle de la ruine. Il est plus facile de dire ce qu'elle n'est pas plutôt que ce qu'elle est. Parce que ce qu'elle est est le produit d'une
de ce que j'appellerais une reconnaissance par un groupe humain d'un type d'objet ou par un spécialiste singulier. Parce que vous voyez des mégalithes dans le paysage, si on ne vous a pas expliqué ce qu'était un mégalithe, pour vous, c'est une formation géologique comme les autres. Et donc, et ce sera tout un des grands problèmes au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, de reconnaître ce qui est l'œuvre de la nature dans les formations géologiques apparentes et ce qui est l'œuvre des hommes anciens. Il y aura des débats sans fin, extrêmement stimulants à cet égard. On ira même jusqu'à créer le terme de paysage ruiniforme pour les géologues décrivant comme ça des paysages de calcaire dont les altérations naturelles font penser à des ruines. Et mais ce que vous venez de dire, effectivement, m'éclaire sur le côté grotte anti-ruine. Je reviens parce que, en fait, il faut que la ruine ait forcément quelque chose qui a effectivement a été fabriqué par l'homme et qui est rendu à la nature pour que ce soit une ruine. Voilà, ça c'est exactement ce que vous venez de citer presque mot à mot, la définition du grand sociologue Georg Simmel, qui est un des premiers à définir la catégorie philosophique de la ruine au début du XXe siècle. Alors, ce sera bien, justement, on va bien, là, on a fait déjà, on a essayé, j'ai essayé modestement avec ces quelques questions de circonscrire un peu le propos. Avant que de vous laisser totalement la parole, Alain, je voulais revenir avec vous un peu sur justement toute la partie aussi qui est toujours très importante dans votre itinéraire, celle de l'homme d'action au service de l'archéologie, au service des institutions de l'archéologie, et notamment voilà que vous là vous cédez la parole sur ce point-là, sur votre vision vous de la structuration du champ qui est le nôtre. Depuis les années 80-90, la construction des instituts auxquels vous avez été étroitement associé, la construction également de l'archéologie préventive, par exemple, là, que je serais heureux que vous nous en parliez un peu plus, justement, avant qu'on revienne sur le fond du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Oui, pour qu'on puisse s'intéresser aux ruines, il faut qu'il y ait encore des éléments du passé visibles. Et le destin de toute l'histoire des ruines nous apprend que le destin de toute œuvre humaine est, à brève ou lointaine échéance, sa disparition. Et pour les gens de ma génération, nés juste après-guerre, quand dans les années 60 nous arrivons à l'université avec la volonté de nous intéresser au passé lointain, que ce soit celui de la Gaule ou de période encore plus ancienne, eh bien, nous découvrons que l'archéologie n'a pas de structure de protection du patrimoine enfoui. Je veux dire par là qu'il existe des archéologues qui travaillent dans les universités ou CNRS, dans certains musées comme Saint-Germain, qui font des fouilles en tant que de besoin pour expliquer un certain nombre de phénomènes, pour s'intégrer dans un projet de recherche. Mais quand brusquement, comme à Pincevent, passe un bulldozer et fait surgir du sol un site archéologique, on appelle l'archéologue le plus proche, on lui demande de regarder, il fait un peu ce qu'il peut, et au bout du compte, tout est détruit. Et donc là, la fin des années 60 est marquée par tout un tas de protestations en France devant la destruction du patrimoine enfoui, que ce soit le cimetière d'Orléans, que ce soit à Dax, ou dans d'autres, dans les Landes, ou dans d'autres zones, ou même les puits gallo-romains du jardin du Luxembourg. À Toulouse aussi. Il n'y a pas de structure capable d'occuper l'espace, le temps nécessaire aux observations que rendent absolument obligatoire la construction ou la reconstruction des villes. Donc, alors que le reste des pays européens, l'Allemagne détruite d'une façon incroyable, les pays de l'Est, les pays scandinaves, l'Italie même, se lancent dans les années 50 dans de vastes programmes de fouilles préalables à la reconstruction des centres urbains. En France, rien de tel ne se produit. C'est peut-être dû à un fait que pour les Français, pour une part même du milieu académique français et des hautes autorités de l'État, l'archéologie est considérée comme une discipline qu'on pratique à l'étranger. Donc dans un pays comme la France, qui a une longue tradition d'études sur la Grèce, sur Rome, avec des instituts qui ont en charge d'étudier ces domaines, à l'époque, il n'y a pas grand-chose pour l'archéologie du territoire national. Et c'est comme ça, sous l'influence de Leroy Gourhan, qui a été un des premiers à énoncer ceci,
que si on doit protéger, si on, nous avons un devoir moral de protection de ce qui est enfoui, et que ce devoir moral fait obligation à qui excave les sites antiques d'en payer les frais. Donc l'idée du pollueur-payeur, qui mettra, enfin, Laurent Gourand a exprimé ça dans les années 60, nous l'avons repris au moment de la commission d'archéologie qui se développait en 1968 à l'Institut d'art et d'archéologie. Ça a été reçu, repris ensuite dans le fameux colloque sur l'état de la recherche que Chevènement avait lancé en 81-82. Il y a eu toutes sortes de rapports, celui de Jacques Soustelle, l'anthropologue, celui du conseiller d'État Max Kerrien. Bon, je vais pas aller. Jean-Paul de Moule vous parlerait de tout ça mieux que je ne le ferai, puisque c'est sur son rapport et celui de deux autres personnes que finalement nous avons convaincu le ministère de la Culture, Madame Tasca, de créer une agence qui est financée en partie par les développeurs pour protéger les ruines qui sortent du sol quand on entame la reconstruction ou la construction d'un bâtiment dans une zone fréquentée. Donc, dans ce cas-là, maintenant, nous avons une législation qui rend obligatoire tous les diagnostics préliminaires à toute opération d'investigation dans le sol, et ensuite qui établit des dispositions pour que des personnes qualifiées, des archéologues qualifiés, des techniciens qualifiés prennent cela en charge. Et pour conclure, nous pourrions parler des heures de cela, mais il y avait au service des Antiquités lui-même créé seulement en 1964 par André Malraux 200 ou 150 collaborateurs dans les années 80. Aujourd'hui, il y en a bien plus, mais surtout, il y a un institut, l'INRAP, des sociétés privées aussi qui travaillent à l'archéologie et qui emploient, bon gré mal gré, 3 000 personnes. Ça peut paraître énorme, mais mon regretté collègue et ami Christian Goudineau, qui a tenu pendant longtemps la chaire d'Antiquité nationale au Collège de France, disait tout simplement, mais est-ce que quelqu'un s'étonne qu'il y ait 2 000 ou 2 500 personnes qui travaillent à la Bibliothèque nationale? Tout le monde s'en réjouit. Et les conservateurs et leurs collaborateurs font ce qu'ils peuvent pour protéger notre héritage écrit. Comment se fait-il, disait-il dans sa chaire inaugurale au Collège de France, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, qu'on ne fasse pas la même chose pour les vestiges archéologiques? Et grâce à la loi sur les fouilles de 2000, grâce au travail d'un certain nombre de collègues, nous avons créé une structure qui respecte le patrimoine enfoui. Merci beaucoup Alain et merci beaucoup pour cette pour cette pour le, cette description des institutions et le chemin qu'a été le vôtre avec beaucoup de collègues avec lesquels vous avez travaillé pour aboutir à cette structuration de notre recherche dans laquelle nous sommes. Et je sais que c'est très important. J'espère qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent ce soir. Et j'avais très envie justement là, ils vont maintenant, on va passer à la présentation par vous-même de votre livre. Mais je pensais très important qu'il y ait cette dimension aussi de comment est-ce qu'un scientifique comme vous a contribué à ce degré-là, à la structuration du champ scientifique dans lequel vous êtes impliqué. Alors voilà, maintenant, la parole est à vous, Alain, pour la présentation de votre ouvrage. Merci de la question que vous m'avez posée. Je voudrais juste conclure, parce que je me suis peut-être perdu dans les détails. En gros, comme nos collègues médecins ont créé la structure urgentiste dans les hôpitaux, et sur leur modèle, nous avons voulu créer une structure urgentiste pour protéger et témoigner des destructions. Et donc, nous l'avons appelée archéologie préventive. Alors qu'auparavant, le concept même n'existait pas. Et cela nous mène peut-être à la suggestion que vous venez de me faire de tenter d'expliquer ce qui fonde la ruine et ce qui permet aux sociétés d'établir un rapport satisfaisant avec le passé, qui peut prendre toutes sortes de formes. La ruine, si on la laisse en quelque sorte en tant que ruine, elle peut, et Pétrarque déjà se posait la question en visitant le Forum romain,
Qu'est-ce que cette succession, cette étendue de vestiges peut bien signifier? Comment l'interpréter? Pour interpréter les ruines, il faut les historiciser. Et c'est le point de départ de la réflexion que je propose dans ce livre. J'ai appelé ce livre « Des origines aux Lumières ». Les origines, c'est une catégorie assez indéfinie, j'y reviendrai. Pour moi, les origines, c'est juste ce moment de l'histoire de l'homme où nous commençons à percevoir son action. Donc, elles se confondent avec ce qu'on a appelé le processus de l'hominisation. Mais pourquoi s'arrêter au XVIIIe siècle aux Lumières? Parce que, aux Lumières, enfin, durant le grand XVIIIe siècle et le début du XIXe, s'énonce cette idée simple que tout homme, c'est une idée qui est formidablement résumée par Chateaubriand, tout homme a besoin des ruines. Peut-être parce que le sentiment de sa propre fragilité fait que l'homme comprend un peu le court passage qui est le sien vis-à-vis du déroulement des siècles. Donc il y aurait, et on peut en discuter, certains anthropologues ont objecté à cette idée que j'ai développée, que, en reprenant la phrase de Chateaubriand, toute société a besoin, comme tout homme a besoin de son propre passé, toute société a besoin des ruines. Et certains collègues anthropologues me disaient, mais il y a des sociétés dans lesquelles il n'y a pas ou presque pas de ruines. Donc est-ce que ce n'est pas obliger ces sociétés à passer par les fourches codines d'une définition occidentale de la ruine que tu nous entraînes? Et ma réponse a été de dire non, parce que ma conception de la ruine, comme ma conception de l'histoire, elle est flexible. Vous savez les milliers de pages que la définition du terme histoire a requise dans l'état de nos études historiques. Et on pourrait en avoir 36 définitions de l'histoire. Mais celle sur laquelle je m'appuie, c'est celle du grand historien néerlandais Huizinga. Et Huizinga dit « L'histoire, c'est ce qu'une société considère comme son propre passé. » Donc l'histoire, c'est un regard porté sur ce qui est advenu. Et la ruine, elle procède, à mon avis, de cette façon-là. On peut considérer que, comme le proposait Simmel ou comme le proposait l'école de Vienne, que la ruine, c'est un bâtiment qui se défait, mais ce n'est pas suffisant. Comme je le disais tout à l'heure, il y a dans la nature des fragmentations, des formations qui ne sont pas des bâtiments, mais dont les vestiges, et là nous trouvons un nouveau terme, qui lui aussi réclame peut-être une réflexion lexicale. Le vestige, en français, les deux mots ruine et vestige peuvent se recouvrir. Mais si vous regardez leurs racines, vous m'avez posé la question tout à l'heure, la ruine, c'est ce qui se défait. Le vestige, c'est ce qu'on imprime sur une surface molle. La trace d'un animal sur le sable. La trace du pied d'un enfant dans une grotte. Vestigia, c'est ce que ça veut dire de façon étymologique en latin. Et ça se développe pour recouvrir la ruine, mais dans un sens légèrement différent. Pourquoi? Parce que la ruine, par définition, est incomplète. Si l'objet qui est... C'est pour ça que nous parlions des grottes tout à l'heure, et particulièrement des grottes ornées, c'est quelque part des anti-ruines, parce qu'elles n'ont pas vraiment eu le temps de vieillir au sens de nos ruines exposées à toutes les intempéries. Et bien, de la même manière, il y a cette tension entre le vestige, qui est quelque chose en creux, et la ruine, qui est plutôt quelque chose de convexe, un petit tas de traces qui forment comme une bosse à la surface du sol. Et ce qui m'a intéressé, c'est que ces deux mots, vestigia et ruiné, se retrouvent en grec, dans la même opposition entre erepia et ikné, et vous pouvez la retrouver
dans la culture arabe, dont l'opposition entre le vieux mot qui signifie la ruine en arabe atlal, et un mot nouveau qui apparaît à partir du Coran, atar. Et là, il y a encore une opposition. Vous voyez, atlal, vous connaissez tous le terme français tel. Ce sont le tel, ce sont les vestiges qui se sont déposés au cours du temps jusqu'à former un de ces monticules qu'on va appeler tel. Et à l'opposé, atar, c'est une trace. La trace de quelque chose, ou même la trace que la prière contribue à former comme une genre de cornée sur le front du croyant. Donc c'est quelque chose dont la plasticité est très différente de la ruine. Et dans l'opposition entre ces deux mots, que je retrouve en arabe et que je retrouve partiellement aussi en chinois, je vois une des dimensions très compliquées de la fabrication d'un référent pour observer, pour commenter, pour enjoliver ou pour détruire le passé. Parce que les ruines, on peut les observer, on peut les chérir, mais on peut les refuser. Et de même qu'il y a une archéophilia, l'amour du passé, il y a une archéophobie, un refus. Et ce refus, bah, nous l'avons vu, nous le voyons constamment dans la politique, je dirais, de notre temps et dans ce qui a été fait par les talibans sur les bouddhas de Bamiyan ou de ce qui a été fait à Palmyre. Mais ce genre de vandalisme, ce mot a été créé à la Révolution, le vandalisme n'est pas uniquement celui que l'on croit. Il y a des vandalismes par ignorance qui sont tout aussi violents que le vandalisme par destination. Et c'est d'ailleurs ce que disait Victor Hugo à la Chambre en 1832 quand il propose de créer une loi pour protéger les monuments historiques. Donc ça, c'est la première étape de la ruine. Et cette première étape, elle est liée pour moi à un impératif moral, qui n'est pas seulement un impératif de curiosité. Il y a un mot de Montalembert, au même moment que Victor Hugo, qui dit que la présence du passé ne devient importune que lorsque la conscience du présent est honteuse. Donc quand on ne supporte plus le passé, dit-il, eh bien on n'est pas capable d'affronter le présent. Et ça, c'est toute l'éthique de l'archéologie. Et à cette éthique de l'archéologie, la ruine, dans sa plasticité, apporte un élément. Donc j'ai un peu tourné autour du pot, si je puis dire, jusqu'à présent, en vous définissant la ruine de l'extérieur. Je voudrais essayer de vous proposer maintenant de tenter de l'approcher par trois couples d'opposition. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est l'opposition nature-culture. Le schéma de Simmel, n'est-ce pas? La ruine, c'est des éléments qu'on a pris dans le sol, que l'on agence pour faire un bâtiment ou une défense, et qui, lorsque, au bout d'un certain temps, des siècles pour la pierre, quelques mois pour un abri en bois, quand cela commence à se défaire, on retourne de la nature originale, de la culture devenue nature, à la nature. Il y a un cycle en trois étapes. On extrait du sol, on extrait de la nature, on construit quelque chose, c'est la culture, et ce construit-là, ou cet objet façonné-là, est abandonné, perdu, abîmé, il retourne à la nature. Et donc, dans cette tension, se construit la ruine. Elle se construit à travers l'exemple que je vous donnais il y a un instant, enfin tout à l'heure, en disant mais un mégalithe n'est vraiment un objet, une ruine, un objet archéologique que si on sait le reconnaître ou le reconnaître comme tel. Le deuxième point, c'est l'opposition dans la ruine entre le matériel et l'immatériel.
Et ça, c'est au cœur du travail que j'ai proposé parce que si vous parcourez mon ouvrage, vous verrez qu'il ressemble un peu à des morceaux choisis. Parce que pour chaque exemple de ruine ou de type de ruine, quand j'en ai la possibilité, parce qu'il y a des ruines dans les sociétés sans écriture, et là, nous n'avons pas le texte. Mais nous pouvons avoir une tradition orale dans certains cas. Donc chaque fois que je peux mettre en rapport la ruine observée par l'homme et la création poétique qui permet d'en rendre compte et qui permet de construire la relation entre celui qui observe et celui qui excave, l'antiquaire ou l'observateur, il y a l'apparition du poète. Et cette poésie est elle-même une fragmentation, parce qu'elle ne rend pas, elle ne rend compte que d'une partie de la ruine. Cette partie, c'est l'émotion qui saisit la personne qui la découvre. Et donc, dans cette interpénétration compliquée entre le poème et l'objet ruine, il y a une histoire qui commence à minima dans le monde égyptien ancien et qui dure jusqu'à la période la plus contemporaine. Et c'est un poète surréaliste, Benjamin Perret, qui dans un texte en prose paru en 1939, qui s'appelle « Ruine, ruine des ruines », qui l'a le mieux expliqué. Il l'explique au mieux parce que dans sa définition et son approche de la ruine, il montre que l'humanité est constamment confrontée au passé, mais qu'elle n'a pas toujours les outils pour l'observer correctement. Et que donc, je dirais, d'un moment à l'autre de l'histoire humaine, les traces des prédécesseurs s'effacent. Mais il n'y a de politique et de respect des ruines que si un effort est fait pour lutter contre cet effacement. Et cet effort, il est lié au rapport qu'il peut y avoir entre le matériel et l'immatériel. Le matériel, c'est la ruine, c'est l'objet même. Mais ce matériel n'a de sens que s'il est part de quelque chose. Donc quand vous dites ruine, c'est que derrière, vous restituez que ça a été un monument ou que ça a été un objet façonné pour une certaine fonction. Et le poème, dans son immatérialité, accompagne cette musique de la ruine. Puis le troisième point de la définition, c'est que la ruine est structurellement un outil et qui se place entre la mémoire et l'oubli. La mémoire, c'est garder la mesure de ce qui est arrivé dans le temps et dans l'espace, dans les relations des hommes entre eux et dans les relations des hommes avec la nature. Et l'oubli, c'est la somme des comportements et des traces humaines qui nous échappent, auxquelles nous ne pouvons plus accéder parce qu'elles ont été oubliées dans la mémoire humaine ou oubliées parce que les grottes ont été abandonnées et que pendant des dizaines de millénaires, elles ne seront plus fréquentées. Et puis brusquement, un amateur d'antiquité va se promener dans une grotte espagnole et brusquement, sa petite fille qui l'accompagne se met à crier « Toros, toros !» Elle a vu les taureaux qui sont sur la paroi de la grotte. Et c'est tout un débat alors qui agite le monde préhistorique. Mais est-ce que ces peintures des grottes aussi achevées peuvent être vraiment des grottes préhistoriques? Ce n'est pas possible. On ne voit pas les préhistoriens, enfin les hommes préhistoriques, les préhistoriens ne voient pas les hommes préhistoriques capables de fabriquer de telles choses. Et donc ça, c'est le dernier champ de la définition de la ruine dans ce rapport comme nature, entre nature et culture. Alors pour aller plus loin, j'ai sélectionné 9 images dont j'aimerais bien qu'on puisse les commenter maintenant. Si vous pouvez les envoyer. Oui, la première image est envoyée. Je pense qu'elles sont envoyées dans l'ordre que vous avez oui. communiqué. Là, je pense que celle-ci donc, doit être je ne les vois pas. Il alors, faut que je fasse c'est là où il faut que je m'approche. L'écran, peut-être.
Regardez ce que je vais faire, je vais m'approcher, hein, parce qu'effectivement, il faut que vous puissiez voir les images qui vous sont... Voilà, celle-ci qui est la première présentée. Oui, la première de cette image, ce sont deux objets recueillis par André Le Rogourand, dont je parlais tout à l'heure, dans la grotte de Lienne à Arcy-sur-Cure. Et ces objets-là, qui sont... il y a un oursin fossile, il y a un autre type d'animal... Le Rogourand nous dit « Je ne sais pas pourquoi on les a ramassés, mais les gens qui habitaient cette grotte il y a plusieurs dizaines de milliers d'années les ont ramassés parce qu'ils leur trouvaient une singularité. Ils les ont mis de côté. Et ce n'est pas un hasard si la définition de la collection, elle commence par l'idée qu'on met quelque chose de côté. » Coller et gérer, c'est mettre ensemble de côté. Et c'est ce que le grand historien des musées et de l'histoire des concepts du patrimoine, Christophe Pomian, a défini comme quelque chose qui reste du passé. Ce quelque chose qui reste du passé, c'est un objet qui... est extrait du circuit normal de son utilité pour devenir un objet de curiosité. Le passage de l'utilité à la curiosité, c'est la naissance de l'esprit de collection. Et c'est ce que je pense, ce à quoi je pense, nous convie le Rogourand quand il écrit, quand il ramasse ses objets dans la fouille et qu'il les décrit ensuite. Alors, ça, c'est la première étape de cette idée du ruine et du fragment. Et la seconde, c'est une fouille. Si vous regardez ces trois étapes de la fouille d'un mégalithe réalisé par un de mes collègues britanniques dans un site qui s'appelle Macrimour, vous verrez que dans un premier, en haut, première étape, eh bien, vous avez... une structure en bois ronde, qui est celle d'un bâtiment mémoriel, qu'ensuite cette structure en bois très fragile est abandonnée, que la zone devient un terrain agricole, mais comme vous pouvez le voir, les zones dans lesquelles il y avait des trous de poteaux sont protégées. Donc la mémoire de la première fondation en bois s'est conservée et on n'est pas allé cultiver là. Jusqu'à ce point qu'à quelques centaines d'années plus tard, on construise un mégalithe en pierre. Et donc ça, cette mécanique, le bois, l'abandon, la protection, la construction en pierre, qui se développe sur plusieurs générations, montre l'attachement de la société à ces structures et le rapport entre le matériel, le bois, la pierre, l'environnement et la mémoire humaine qui œuvre à la protection de ce que nous devons appeler un monument. Alors nous pouvons passer à un troisième exemple qui est cette tombe découverte par mon collègue José Garanger dans l'archipel des Vanuatu. Cette tombe est le résultat d'une inhumation d'un roi, d'un souverain local, fondateur de cette société qui s'appelait Roi Mata. Et ce Roi Mata a été inhumé là avec, semble-t-il, une autre personne qui a été égorgée, probablement, et qui a été déposée là, en quelque sorte, en victime expiatoire, tandis que d'autres personnage était enfoui alentour. Alors vous me direz, mais quel est l'intérêt de ce rituel ? Eh bien, l'intérêt de ce rituel, c'est que José Garanger l'a recueilli des populations qu'il a rencontrées dans les années 60 dans ces îles du Vanuatu, et en suivant la chanson de gestes qu'on lui avait transcrite, il a pu déterminer qu'était décrit un îlot
dans laquelle il s'attendait à trouver les traces de la cérémonie concernant Ruamata. Donc ce qui fait l'intérêt de cette sépulture, ce n'est pas qu'elle est enfin, seulement l'intérêt archéologique, mais le fait qu'elle démontre que pendant 5 siècles, les habitants du Vanuatu ont transmis des informations relatives à cette cérémonie. Ça a été vérifié par le carbone 14 et par d'autres datations ensuite. Donc ça, c'est un des cas très très rare, mais magnifique du point de vue épistémologique, dans laquelle, la ruine devient un horizon de mémoire et qu'elle témoigne de la capacité de la mémoire humaine de passer d'une génération à l'autre. Le quatrième exemple, on a encore un peu de temps? Oui? C'est Sipar, le coffret de Sipar. Vous voyez sur la droite une sculpture originale qui représente une cérémonie. Et sur la gauche, vous voyez le moulage. Ça, c'est extraordinaire parce que ça nous permet d'entrer dans l'atelier mémoriel des souverains mésopotamiens. Là, le moulage lui-même a été déposé au 7e siècle. Et c'est le moulage de la pierre que vous avez à droite, dont nous savons qu'elle date du 9e siècle. Donc 2 siècles après le dépôt de cette pierre, Nabopolassar, le souverain mésopotamien, fait exécuter un moulage, fait fabriquer ce petit coffre, et à l'intérieur met l'original et la copie, comme une espèce de pied de nez au temps qui passe, et à la relation entre l'œuvre originale et sa reproduction. Donc, là encore, vous me direz, mais en quoi est-ce une ruine? C'est une ruine parce que c'est une conjuration du temps qui passe par des outils artistiques, dans ce cas-là, le moulage, et aussi par des outils historiques, puisque c'est inscrit. Le cinquième document auquel je voulais vous convier, ça c'est extraordinaire, donc c'est la fouille au début du XXe siècle de l'allée des stèles, de ce qu'on a appelé l'allée des stèles dans la grande ville d'Assur en Mésopotamie. Et là encore, dans une zone de la ville à l'extérieur des murs, on avait installé des stèles et des statues, enfin des figures statufiées, de personnages qui avaient été les rois d'Assur ou des proches d'Assur. Donc c'est la première fois que nous trouvons en place ce que j'appellerais la galerie des portraits. Donc la mémoire, ça peut être des mots, la mémoire, ça peut être des monuments, la mémoire, ça peut être des inhumations, et la mémoire, ça peut être une espèce de champ de stèles. Quand vous passez devant elle, elle vous rappelle les hommes qui se sont succédés. Cette idée du temps qui passe, cette idée du rapport entre l'espace et la mémoire, c'est une idée que vous trouvez en Égypte, c'est une idée que vous trouvez en Assyrie, mais vous la trouvez aussi dans les civilisations gréco-romaines. Et c'est le document successif, la Via Appia. Vous connaissez tous, enfin, au moins de réputation, la Via Appia, mais vous voyez que dans la Via Appia, vous avez la succession des tombeaux. Et dans cette succession des tombeaux, c'est une marche dans le temps. Donc, rendre ces tombeaux visibles, il y a un texte de Sénèque qui le dit très bien en disant « Les tombeaux, on les voit de la route et ils nous font penser au temps qui a passé. » Cette exigence-là, c'est aussi une exigence mémorielle. Et je vous propose alors de faire un autre saut dans du monde classique au monde chinois, dans lequel vous avez là ce qu'on appelle un moya, une inscription de l'empereur Yuanzhong, un empereur médiéval chinois, qui a fait graver dans des caractères de plusieurs mètres de côté, et des caractères taillés puis colorés en rouge ou en or, la marque de son passage. Cela s'appelle en chinois les moya, et ce sont ces pierres inscrites que vous trouvez dans les paysages,
ces paysages que un de mes collègues sinologues, Robert Harris, a appelé les paysages de mots. Parce que vous vous promenez dans la montagne et vous avez des messages. C'est tel empereur, c'est telle construction, c'est la présence de tel personnage illustre qui crée un site de mémoire. Un lieu de mémoire au sens de Pierre Nora. Et puis maintenant, un avant-dernier document qui est donc une chapelle de Florence du XIVe siècle, celle de Masso di Banco, qui est illustrée, comme vous le voyez, de vous avez dans le fond la ville moderne en couleur, celle qui est, vous voyez la position entre les deux bâtiments, il y en a un qui est intact et il y en a un qui est envahi par les ronces et les pierres sont démolies. Ça, c'est la ville ancienne et ça, c'est la ville moderne. Et devant vous, cette colonne et ce personnage, c'est le pape Sylvestre qui est en train de se promener sur le forum et il voit devant lui un horrible monstre. Et vous voyez, il lui tient la gueule pour que son souffle ne le touche pas. Et en même temps que le monstre, le pape, que c'est toujours le même, trouve deux païens qui s'étaient enfouis, qui avaient pénétré dans cette espèce de cavité à la recherche de trésors et qui avaient été tués par les exhalaisons du serpent dragon. Et vous voyez que le même pape, c'est les mêmes personnages, il les ressuscite. Et enfin à droite, vous avez l'empereur Constantin. Et donc ça, c'est l'acte de naissance, cette fresque est l'acte de naissance de la ruine moderne. On est encore au Moyen-Âge, mais elle préfigure tout ce que les ruines vont charger de mystère et d'attraction. Mystère et attraction que nous trouvons dans le dernier document, qui est un document fabuleux, une toile énorme, qui est consacrée à l'enlèvement d'Hélène par un des plus grands dessinateurs et peintres, Martin van Heemskerk. Et vous voyez l'opposition entre donc Hélène et Paris qui fuient l'île, sur laquelle qui est représentée ici, le temple qui est au premier rang comme intact, et toutes les ruines de la ville qui se développent dans le lointain bleuté. C'est une composition, si nous nous arrêtions devant ce tableau, il me faudrait au moins 40 minutes pour vous décrire les différents monuments pris dans l'imagination pris par l'imagination de Van Heemskerk dans la tradition des grands monuments romains. Et de cette composition entre une scène mythologique, l'enlèvement d'Hélène, et le déploiement de la violence qui s'exerce au contact des ruines, il y a une des dimensions philosophiques de la ruine dans le monde de la Renaissance. Un immense merci, Alain, pour ces exemples qui, je pense, illustrent parfaitement l'ouvrage, même si là, vous avez offert un panorama à travers ces quelques images. Vous imaginez, là, je me tourne vers les gens qui, je l'espère, vont se précipiter pour le lire, la richesse de cette réflexion, richesse théorique et épistémologique, mais aussi le degré d'érudition qui traverse cet ouvrage, qui en soi en offre une lecture absolument passionnante et fascinante. On s'est promené grâce à vos exemples dans la plupart des chapitres, pas tous. Par exemple, il n'y avait pas d'exemple sur le monde pré-islamique et islamique, me semble-t-il, dans ce que vous venez de choisir, qui est aussi un chapitre passionnant dans l'ouvrage. Mais c'est pour donner plaisir par avance aux lecteurs d'aller se plonger dans cette réflexion. Vous avez dit que vous vous êtes arrêté au siècle des Lumières, au moment même justement où l'archéologie sous les formes modernes est en train de se constituer. Elle va prendre encore plus son essor au XIXe siècle et c'est là où l'exemple justement mobilisé par Caroline Marchand fait son entrée dans notre discussion. Merci. Oui, effectivement, puisque j'effectue mes recherches sur les fouilles archéologiques au Palatin sous Napoléon III. Donc Napoléon III étant un empereur passionné par l'archéologie et l'histoire romaine, va sur ses propres fonds personnels acheter une partie du Palatin pour effectuer des fouilles archéologiques. Et pour cela, il va nommer un spécialiste, un archéologue italien, Pietro Rosa, qui va diriger les fouilles entre 1861 et 1870. Donc le but, c'est de faire connaître au mieux, au grand public, les fouilles archéologiques sur le Palatin. Pour cela, il va utiliser
un procédé original qui est la photographie. Comme vous pouvez voir sur la première image, où on voit l'équipe en action, il va aussi utiliser un autre type de relevé qui est la peinture, que vous pouvez voir sur la deuxième image, donc qui permet de renseigner sur les ruines du Palatin à cette époque-là. L'originalité aussi, c'est que Pietro Rosa va organiser des visites guidées pour les touristes, comme vous pouvez le voir sur la troisième image, où les ruines sont ouvertes aux visiteurs. Comme vous pouvez le voir également, Pietro Rosa va installer des panneaux explicatifs pour les visiteurs. Donc, ces ruines auront un succès tel en Europe que même le pape Pie IX va visiter à deux fois le Palatin. Donc, j'ai une question pour vous, monsieur Alain Schnapp. Comment vous pouvez nous expliquer en quoi ces fouilles archéologiques du XIXe siècle ont eu un tel impact ? Merci. La différence entre ces fouilles et les précédentes, c'est que la plupart des fouilles de Rome, depuis que Rome a été restructurée avec le retour des papes d'Avignon, c'était ce qu'on trouvait au fur et à mesure des restaurations et des reconstructions de monuments. C'était donc ce que nous appellerions de l'archéologie de sauvetage, avant l'archéologie préventive. Et c'est à Rome que, pour la première fois, au XVIe siècle, on confie à quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Raphaël, donc le rôle de protéger les antiquités. Donc l'idée même d'un service public pour protéger les antiquités, il date du XVIe siècle. Et il va se développer dans la plupart des pays, des États d'Italie. Ce qui va amener à la naissance d'un concept d'institution qui protège le territoire, qu'on appelait les soprintendenza, les surintendances, qui d'ailleurs maintenant ont été, à mon avis, à tort, dissoutes pratiquement par les nouvelles lois du patrimoine en Italie, qui sont, je crois, je partage cette opinion avec pas mal de collègues, catastrophiques. Alors que l'Italie, justement, à travers la papauté, avait inventé ce concept. Mais pratiquement jusqu'aux fouilles de Pompéi, il n'y a jamais eu de fouilles à grande échelle. À Pompéi, à partir de 1730, et à Herculanum ensuite, à cause de la situation stratigraphique tout à fait particulière de ces deux villes détruites par le Vésuve, va se développer une archéologie à grande échelle, avec des problèmes de relevé, des problèmes de restauration, des problèmes de protection. Et c'est de là que va naître les différents corps de métier du travail archéologique. Le fouilleur, l'architecte, le conservateur, le restaurateur. Tout ça, ça fait partie de la panoplie qui se développe à Pompéi, au point qu'au moment de l'unité d'Italie, Pompéi va être déclarée école archéologique. Et ça va avoir les conséquences que vous venez de nous expliquer sur la vision internationale. Parce que brusquement, quand Napoléon III est pris de cet engouement pour l'archéologie, c'est à travers le culte de César et l'idée que lui-même est quelque part un descendant de César, non pas du point de vue biologique, mais du point de vue du rôle que l'Empire peut jouer dans la société contemporaine. Et donc en finançant sur un pied que personne n'avait jusque-là rêvé des fouilles, en tâchant de définir des méthodes d'excavation, en ayant recours à cette technique nouvelle à l'époque de la photographie, Napoléon III, en quelque sorte, chevauche les mêmes positions que celles de Charles III de Bourbon, quand il a lancé les grandes fouilles de Pompéi au XVIIIe siècle. Mais cela se fait avec des techniques qui sont déjà proto-industrielles.
On va utiliser des wagonnets dans certains cas. On utilise la photographie. Et donc, la grande fouille, le grand archéologue allemand Theodor Wigand, le fouilleur d'Asie mineure, de Prienne et de quelques autres endroits extraordinaires, il utilisait le mot de la grande industrie produit la grande archéologie, c'est-à-dire des décapages et des excavations sur des échelles qui jusque-là étaient inconnues. Moi, j'ai une petite question complémentaire pour Alain, je me permets. Comment Napoléon III fait-il entrer ou non en résonance cette politique de fouille à Rome avec sa politique plus générale en faveur de l'unité italienne ? Est-ce qu'il y a une résonance entre les deux ? Oui, il y a une résonance entre les deux. C'est de dire que sous la direction des Savoies, et avec petit à petit une Italie qui va être reconstruite, cette grande nation culturelle va devenir un État. Et que donc, pour fortifier l'État italien, les surintendances et les archéologues professionnels vont jouer un rôle de mémorialiste. Un rôle que personne à cette époque ne joue en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, la mémoire, ce sont les textes, c'est notre trésor des chartes, c'est une vision du passé qui est beaucoup plus liée aux mots qu'aux choses. Et la tension entre la culture archéologique italienne et la culture archéologique française, elle passe aussi par là. Même si bientôt, c'est un Français, enfin c'est avec de l'argent français qu'on fouille au Palatin, et bientôt on verra, aux grandes dames d'un certain nombre d'antiquaires italiens, des étrangers, des Français, des Allemands, des Anglais, fouillés en Italie. Et même, merci, en parlant de la politique de conservation, Napoléon III a ouvert des musées, notamment le musée d'archéologie nationale, et également sur le Palatin, il a ouvert un musée pour justement que les découvertes présentes sur les ruines puissent être accessibles à tout le monde. Donc, qu'en pensez-vous justement de cette politique de conservation mise en place à la fin du 19e siècle ? Comme je le disais il y a un instant, à Pompéi, on avait expérimenté la division du travail et les différentes approches, et la restauration va jouer un rôle très important. Et ce n'est pas un hasard si encore aujourd'hui l'école italienne de restauration est une des meilleures du monde, parce qu'elle a cette longue tradition. Mais l'antiquarium du Palatin est un endroit extraordinaire, j'ai eu la chance d'y travailler il y a très longtemps, et même d'y séjourner. Donc quand vous êtes là au-dessus de toutes les fouilles en cours, c'est extraordinaire. Et cette politique de Napoléon III, elle va en quelque sorte tenter de définir pourquoi la curiosité des grands, de l'empereur en particulier, peut avoir un effet révélateur et porter l'archéologie romaine à un niveau de qualité et à une diversité de découvertes qu'on n'imaginait pas jusque-là. Donc, les fouilles du Palatin sont un enjeu politique en disant, nous, les Français, nous ne sommes pas des colonisateurs, nous, même s'il y a des tendances qui sont bien claires, mais nous allons offrir aux Italiens les moyens de redevenir l'Italie telle qu'elle était rêvée par les poètes et par de Pétrarque au grand poète du XVIIIe siècle. Alors à présent, on va voir comment cette formidable leçon sur l'archéologie et sur le rapport de nos sociétés à leur passé à l'échelle universelle a été entendue, reçue, questionnée par les gens qui nous ont fait l'amitié et le plaisir de nous suivre. Et donc, je passe la parole à Adeline Grand-Clément, donc historienne à Toulouse, spécialiste de l'Antiquité, que vous connaissez bien, Alain, pour transmettre les questions, justement. Donc, bonsoir Alain, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour. Donc, il me revient le privilège de pouvoir vous poser des questions. Donc, ce sont des questions qui ont été posées au cours
de votre conférence, au moment des échanges. Et elles abordent en fait différents aspects. Donc je vais, en fonction du temps qu'on va avoir, hein, vous en poser un certain nombre. Alors peut-être la première, vous y avez partiellement répondu, mais peut-être que ça vaut le coup d'y revenir. C'était une des toutes premières questions. Est-ce qu'un squelette ou des squelettes, un ensemble de squelettes, peuvent être considérés comme une ruine? Et quand la question a été posée avant que vous montriez l'image de cette sépulture, et donc j'avais envie de dire, de compléter cette question en demandant, est-ce qu'il faut qu'il y ait sépulture, donc mise en scène autour de ces squelettes, pour que ce soit une ruine? Non, je ne crois pas. Il faut qu'il y ait, évidemment, enfin, si vous trouvez un corps, enfin, les vestiges d'un corps jeté comme cela, cela devient une ruine quand vous l'identifiez comme tel. Vous dites ceci est le reste d'un charnier et on a jeté les corps ensuite ou on les a brûlés. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des squelettes, on n'a pas besoin d'avoir des fragments de corps, mais on a besoin, pour définir la ruine, de reconnaître qu'à un certain moment, des hommes les ont installés, jetés, répudié là. Le travail de la ruine, c'est ce moment où l'observateur prend conscience de la singularité de quelque chose. Ça nous ramène à l'exemple de Leroy Gourhan, n'est-ce pas ? Quelques objets déposés dans un coin, et c'est déjà le début d'une idée des ruines. Je ne dis pas que c'est des ruines, que ce sont des ruines, et je ne dis pas que la sépulture du centre de Roi-Mata soit en elle-même une ruine. La ruine, c'est l'ensemble funéraire qui a été construit là et dont la mémoire a perduré pendant 5 siècles. Oui, c'est intéressant parce qu'on voit que, en fait, c'est un support. Enfin, il faut qu'on puisse avoir un récit à faire. Enfin, c'est le support d'un récit, cette ruine, elle associe à ce récit qu'on construit. Alors, une deuxième question qui est assez générale, hein, et évidemment qui est lié à ce qui est dans votre livre. Quel était le rapport aux ruines et plus généralement aux monuments anciens qu'entretenaient notamment les Grecs et les Romains lorsqu'ils visitent l'Égypte, lorsqu'ils découvrent l'Égypte et en particulier les pyramides? Alors, en lisant la question, je me demandais si les pyramides sont des ruines. Oui, parce qu'effectivement, leur état évolue. Et donc la question portait sur quelle attitude d'admiration, d'intérêt, de curiosité, puisqu'on parlait de la curiosité tout à l'heure. Alors il y a une curiosité grecque incroyable pour les ruines, et en particulier pour les pyramides, pour Babylone, etc. Et il y a un texte extraordinaire de Pausanias qui dit quelque part, je crois, je le cite, je crois, en conclusion de mon introduction, donc dans son description de la Grèce, il dit « Nous, les Grecs, nous sommes des gens étranges, parce que nous admirons la splendeur des pyramides, la splendeur des jardins de Babylone, mais nous ne nous rendons pas compte que nous avons de tout aussi grande splendeur à Mycène et dans quelques autres endroits de la Grèce. » Et donc là, c'est le principe de les ruines des autres et les ruines de soi. Et ça, nous le retrouvons dans les questions que vous posiez tout à l'heure sur Napoléon III et sur l'attitude des Français par rapport à leur passé, dans la France du XIXe siècle, la ruine, c'est Rome, la ruine, c'est la Grèce. Pour les Grecs, la ruine, c'était l'Égypte, c'était la Babylonie. Donc c'est cet effet de présence, distance, d'éloignement et de proximité et qui fait, là encore, la tension sur les ruines. Merci. Alors ensuite, vous nous avez montré de magnifiques images. Vous en avez choisi quelques-unes. Donc en particulier, peinture médiévale où on voit ces ruines qui sont mises en scène. Oui. Quelles sont les premières images que vous avez identifiées qui représentent explicitement des ruines et les mettent en scène? Alors évidemment, la question mérite d'être précisée, c'est-à-dire dans l'Antiquité ou dans la tradition européenne, je ne sais pas. Est-ce que dès le début, quand l'homme crée, produit des images,
dans les images qu'il invente ou qu'il dessine, qu'il peint, il met en scène des ruines. Non, je ne connais pas, je serais heureux de le connaître, d'images de ruines dans les peintures pariétales, et pour cause, bien sûr. Mais pour répondre à votre question, je répondrai de deux manières. D'abord, quelles sont les ruines les plus anciennes représentées comme telles ? Je n'en connais pas. Il y a des vases à relief d'époque tardive en Grèce qui portent des fragments qui peuvent faire penser déjà à des ruines. Mais c'est fait dans la peinture pompéienne que pour la première fois, on a vraiment des murs effondrés, des colonnes cassées et des actions érotiques ou militaires qui ont lieu à l'intérieur d'un paysage ruiné. Donc la figure de la ruine en tant que telle, elle est relativement rare et elle n'apparaît vraiment qu'avec la Renaissance européenne, à partir de Masso, di Banco et un peu plus tard, quand l'idée de figurer le passé n'est plus liée seulement au récit, aux mots, mais à du dessin et à la gravure. Donc c'est l'antiquarianisme. Parce qu'il y avait des antiquaires mésopotamiens, il y avait des antiquaires égyptiens, il y a des antiquaires Maya, Olmec ou Toltec, mais nous ne connaissons pas de dessins d'objets trouvés dans le sol ou sur le sol avant la Renaissance européenne. Le passage à la ruine comme outil graphique, c'est vraiment une invention de la Renaissance européenne. Et c'est une manière de répondre à votre question. Là, on a déjà quelques images dans les traditions romaines. On en a beaucoup plus tard quelques-unes dans le monde japonais et jamais dans le monde chinois. Les Chinois sont obsédés par les ruines. Ils sont les premiers à inventer la notion de catalogue, les premiers à produire des figures imprimées d'objets archéologiques au XIIe siècle chez les Song. Mais dans la peinture chinoise, Wu Hong, le grand spécialiste de Chicago qui a écrit un livre sur les ruines en Chine, il nous dit, en Chine, les ruines, ce ne sont pas les objets, mais c'est la nature. Donc quand vous avez une stèle, la stèle est là, comme intacte, mais autour, vous avez des arbres qui sont morts. Ils vous disent que la stèle est une stèle ancienne. Alors justement, j'avais envie de prolonger cette question et ce que vous dites me permet de le faire en demandant si on peut identifier des codes iconographiques. À quoi on reconnaît une ruine? Et là, vous voulez dire c'est ces arbres morts à côté. À la Renaissance, c'est beaucoup du végétal qui va pousser sur du minéral. Il y a la cassure et il y a aussi ce mélange des genres. Un arbre qui pousse en haut d'un... Absolument. Ce retour à la nature... Vous l'avez vu dans le tableau de Basso di Banco, s'exprime par les petites fleurs, par les herbes qui poussent. Et donc, sauf que dans la tradition occidentale, ces herbes, ce sont en quelque sorte les symboles de la ruine, des végétaux qui poussent dans les ruines. Et là, vous avez dans le premier des traités de ruines européens, lié à l'archéologie, c'est le combat d'Eros et du sommeil. C'est un petit livre publié à Venise par Hald en 1499, qui est le tout premier ouvrage dans lequel les ruines sont un motif, je dirais, d'esthétique érotique et de connaissance du passé. Et si vous regardez les planches de l'Hypnerotomachia Pamphili, du combat du sommeil et d'Eros dû à Pamphilus, qui est attribué à Colonna, eh bien vous voyez se développer ce thème du rapport entre la ruine, les végétaux et l'amour, parce que le thème général du livre, c'est
celui d'un jeune homme qui poursuit une jeune femme qu'il a entreaperçue au milieu des ruines. Et là, vous voyez combien ce thème va se développer dans tout l'Occident. Mais ce thème est aussi présent dans la poésie arabe classique sous la forme de la qasida, qui est le départ de l'homme dans le désert à la recherche de la femme entrevue. Et qu'est-ce qu'il trouve dans le désert ? Il trouve des petits tas de campements, même des crottes d'animaux, des crottes de lapins ou d'autres animaux ou sauvages ou domestiqués. Et à partir de ce que j'appelle moi l'archéologia povera, donc il y a quelques trous, il y a quelques déblais, il y a des fragments d'animaux, et le poète reconstruit sa rencontre. Et ça, c'est ce qu'on appelle les mu'alakat, c'est de la poésie pré-islamique qui va irriguer toute la poésie islamique jusqu'au XIIe, XIIIe et XIVe siècle. Et donc, les Arabes du désert se sont posés la question que vous me posiez. Quand commence une ruine ? Et leur réponse, elle est quand le poète est capable de l'interpréter. Et vous avez un merveilleux essai là-dessus du poète qui est récemment décédé, Abdel Wahab Medeb, qui est une réflexion sur qu'est-ce que la ruine, en opposant ces ruines de rien du tout aux ruines de presque tout que sont les pyramides ou les grands monuments de l'Occident. C'est fascinant hein, quand on vous écoute, parce que vous nous faites vraiment voyager, et c'est aussi un des points forts du livre, peut-être de sortir du regard trop occidentalo-centré, d'aller voir ailleurs. Et je me demandais si justement dans ces ailleurs que vous avez explorés dans le livre, donc c'est une question qui était là et que je développe un peu, il y a d'autres types de rapports aux ruines qui ne seraient pas simplement l'admiration ou la préservation. Est-ce que on laisse la place pour des ruines, ou parfois on restaure sans cesse en empêchant que quelque chose ne devienne ruine ? Alors absolument, c'est le devenir ruine est une part de l'histoire des ruines, et une des manières de s'y opposer consiste à des restaurations progressives. Alors vous avez des civilisations dans lesquelles cela est, je dirais, structural. C'est essentiellement la Chine et le Japon ancien, hein, puisque je donne toujours cet exemple qui n'épuise pas toute la conception des ruines qui est très riche dans le monde japonais, mais l'exemple des temples d'Ise, temples en bois et en chaume, qui sont reconstruits tous les 20 ans, dans un processus, depuis le 8e siècle après Jésus-Christ, dans un processus de déconstruction-reconstruction qui est infini et qui veut dire, en quelque sorte, ce qui advient là, c'est la permanence de l'impermanence. J'ai eu la chance de visiter Ise il y a quelques années lors du dernier cycle de 20 ans qui venait d'avoir lieu, et c'est fascinant parce que vous arrivez là, vous avez la place du nouveau temple en bois, tout frais, l'ancien temple qui a atteint sa 20e année, on retire les instruments du culte, le trésor cultuel du temple qui va être démonté pour le porter dans le nouveau temple, et ensuite on démonte. Et cette espèce de développement cyclique de l'un et de l'autre, du même et du différent, ça fait vraiment partie d'une part de l'expérience japonaise du passé. Et il y a d'ailleurs un merveilleux poème de Victor Segalen, qui est dédié aux Chinois, mais qui touche un peu à cette vision antiquaire, qui dit, d'ailleurs, ceci, ce qui est important dans l'œuvre, ce n'est pas la matérialité de l'œuvre, mais c'est l'artisan qui l'a érigée. Donc il vaut mieux démolir pour mieux construire, pour garder la mémoire. Mais dans le fond, si nous prenons une échelle différente, regardons nos cathédrales, combien de pierres originales y a-t-il dans la cathédrale de Strasbourg ou dans Notre-Dame ? 10-15%. Donc même après la définition, cette définition est élaborée déjà par les pères de l'Église, hein, de l'original et de la copie,
même après la convention d'Athènes, qui oblige les gens qui interviennent sur les monuments à, en quelque sorte, respecter leur authenticité, les cycles d'authenticité sont variables d'une civilisation à l'autre. Merci beaucoup. Il y a encore énormément de questions, alors je vais essayer d'en grouper. Il y en avait deux qui portent un peu sur la manière dont ces ruines peuvent être habitées et ce que ça change. Alors, habitées au sens propre ou temporairement expérimentées, performées en quelque sorte. Un premier exemple, les ruines habitées comme à Rome, le théâtre de Marcellus, où on sait, à Arles, dans le sud de la France, enfin, oui. Beaucoup d'endroits. Oui. Donc, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça reste quand même des ruines malgré la nouvelle fonction? Et j'ajoute à ça donc un exemple qui était complètement différent de la manière dont les ruines peuvent être devenir un peu temporairement autre chose, à savoir le live des Pink Floyd dans les ruines de Pompéi en 1972. Qu'est-ce que ça fait de faire un concert à cet endroit-là? Alors, les deux questions sont différentes, mais je les ai regroupées pour des questions de temps, donc vous pouvez répondre à l'une ou à l'autre, comme vous le souhaitez. Si vous prenez Diderot, dans sa définition des ruines, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais il vous dit qu'un des charmes des ruines, c'est d'être habité. Et il va plus loin, il dit, c'est habité par, en général par des pauvres et par des malheureux. Et il ajoute, cela signifie donc qu'il faut les respecter, les gens qui les habitent. Et même, il va un peu plus loin, et il dit, on reproche, il parle de Palmyre, aux Arabes de détruire les bâtiments anciens et de ne pas les respecter. Mais moi qui suis sensible aux ruines, je préfère une ruine qui serve d'abri à des gens malheureux plutôt qu'un palais habité par des tyrans sanguinaires. Et là, Diderot commence à développer toute une théorie politique de la ruine que vous trouverez ensuite au XIXe siècle et qui expliquera que les ruines sont les traces des violences et des abus des puissants contre les pauvres. Et donc, c'est ce qui expliquera le succès de Volney et les rééditions infinies de son livre à partir de 1791. Alors ça, c'est la première réponse. Alors ensuite, la réutilisation de la ruine, elle fait partie de cette dramaturgie. Je pourrais vous citer un texte de Damani, un écrivain persan du XVe siècle, qui décrit le passage de toute la cour d'un roi mongol, du Fars, devant les ruines de la capitale des Perses. Et il décrit les statues qui voient arriver le cortège royal à Persépolis, et les statues sont tellement impressionnées par la vue des personnalités qui entourent le roi et par la splendeur du roi qu'elles rentrent dans les murs et qu'on ne les voit plus. Donc déjà au XVe siècle dans le monde persan, cette imagination de la ruine qui se colore par une performance, le théâtre antique en Grèce ou Syracuse, etc., c'est lié à la fonction de la ruine. C'est-à-dire que la ruine, et ça encore Diderot et Volney l'expliquent très bien, c'est un lieu où des choses arrivent qui prennent du fait de leur performance une signification différente. Un grand merci. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il reste du temps pour une ou deux questions, une seule, ou est-ce qu'il peut y en avoir deux? Allez, deux, et après, Alain, comme ça, rapide. Nous donnera les conseils de lecture. Mais parce que je pense que c'était intéressant, vous avez parlé à un moment de violence, de destruction. Il y a une question qui porte sur ce moment particulier fondateur de la ruine qui est la Renaissance, en disant que, du point de vue temporel, on a un parallèle qu'on peut peut-être établir ou un lien qu'on peut faire entre deux moments, donc la Renaissance, moment fondateur de la ruine, et 1521, chute de Mexico, en bonne partie rasée par Cortés. Donc, oui.
Est-ce que là, dans la conjonction de ces deux moments en Europe et ce qui se passe sur le continent américain, on peut en dire quelque chose du point de vue de la ruine ? Oui, parce que les Espagnols arrivent au Mexique et au Pérou, et là, ils font une découverte qui les surprend, c'est qu'ils sont face à des civilisations qui maîtrisent la pierre aussi bien que les Occidentaux. Et donc, en dehors du fait qu'ils sont fascinés par les richesses et par l'or, les civilisations précolombiennes, c'est la monumentalité des précolombiens qui les sidère. Et cette sidération va jusqu'à le phénomène de la violence et contre les personnes et contre les monuments. Il fait partie, je dirais, de l'histoire humaine au minimum depuis l'âge du bronze. Et les